Que fais-tu ici? Qui es-tu? Comment es-tu entré? Par la grande horloge. Tu as traversé le mécanisme? Comment? Qui est avec toi? C'est un casse-tête, non? C'est supposé empêcher les étrangers d'entrer. C'est un très bon casse-tête. Pas assez bon, apparemment. Mais je ne suis pas une étrangère. Je suis Didi. Didi Malenkaya. Oh. Est-ce que ta mère t'a poussée à faire ça? Elle pense que je fais mes devoirs. Je voulais juste vous rencontrer. Je ne voulais pas d'enfant, d'accord? Vous ne voulez pas d'enfant? Mais qu'est-ce que j'en ferais? Je suis un homme occupé. Mes instruments sont capricieux. Il faut des mois pour les perfectionner. Comment aurais-je le temps? C'est ce que je lui ai dit. Désolée. Je voyage, je pars en tournée pendant 6 mois, Budapest, Istanbul, Calcutta, Shanghai. Je dîne en ville avec des ducs et des gangsters. Mais je pourrais vous aider avec vos instruments. Je suis bonne avec les casse-têtes. Je ne vous causerai aucun souci. Tu as brisé ma bobine d'induction pour gaucher. Il m'a fallu une semaine pour l'ajuster. Désolée. J'ai dit tout ça à ta mère il y a des années. Quel est son numéro de téléphone? Tu vois? C'est de ça que je parle. C'est ce que je ne peux me permettre. Ta mère pleurait chaque semaine. Tu es beaucoup mieux avec Kat. Une petite fille a besoin de sa mère. D'accord. Veux-tu assister à mon spectacle? Non! Eh ben, voici 2 billets. Au cas où tu changerais d'avis. D'accord. Donnons un coup de fil à Kat. Papa est mêlé à une sale histoire avec des gens pas très... Mais qu'est-ce que je dois faire? T'enfermer et mettre des barreaux à ta fenêtre? Je ne peux pas passer mes nuits à la maison à te surveiller. Je sais. Je ne suis pas une de ces secrétaires qui finit de travailler à 5 heures. Je suis une artiste. Tu comprends ça? Est-ce que Johnny est au courant? Parce qu'il va m'entendre. Je voulais juste parler à Vincenzo. Je n'aurais jamais dû le laisser revenir. J'avais juste besoin. Je voulais... Et maintenant, mesdames et messieurs, le théâtre de l'irréel, de l'incroyable Vincenzo. Je le savais. Je savais que c'était encore un des rêves utopiques de Johnny. T'as encore tout foutu en l'air, n'est-ce pas? Johnny, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça fait partie du spectacle? Je m'en occupe. Ils commencent à s'impatienter. Ils vont vouloir que tu les rembourses. Si tu les rembourses, tu peux pas nous payer. La situation est sous contrôle. Faut juste que je trouve une ampoule, un fusible ou un truc dans le genre. Pourquoi est-ce qu'il ne peut rien faire correctement? Il va falloir qu'on répare celui-là aussi.
Il faut trouver une façon d'éclairer la scène. Waouh, c'est un drôle de phare. Crois-tu que c'est une sorte de laboratoire scientifique? Ça me fait un peu penser à l'atelier de Vincenzo, tu vois? Je crois que c'est ce qui éclaire la lumière qui est là-haut. Laisse-moi voir. Je peux peut-être le réparer.
Thank you.